va entamer un autre chapitre du modèle comptabilité générale conseil de base. Ce chapitre s'intitule « Les différents intervenants dans le domaine de la comptabilité ». Le travail comptable constitue un métier à part qui est réalisé soit par des personnes travaillant dans l'entreprise, intervenant interne, et dans le cadre des professions libérales, intervenant externe. Les intervenants internes, la comptabilité est l'œuvre de la fonction comptable et financière au sein de l'entreprise. Cette fonction, dans le cadre d'une structure fonctionnaire, cohabite avec d'autres fonctions, à savoir la fonction administrative, fonction comptable et financière, fonction technique ou de production, fonction commerciale, fonction logistique, fonction des approvisionnements et fonction des ressources humaines. On va donner un petit mot sur chaque fonction sous forme d'un schéma. La fonction administrative, il a pour mission de mettre en place les buts et les modalités à mettre en œuvre pour les atteindre. Fonction comptable et financière, elle gère tous les flux financiers de l'entreprise qui représentent la contrepartie du flux réel. La fonction technique ou de production englobe l'ensemble des activités qui concernent la création et les produits que l'entreprise fabrique. La fonction commerciale, son rôle est de mettre à la disposition des clients les biens ou les services de produits des services produits par l'entreprise. La fonction logistique, elle gère l'ensemble des flux matériels et informationnels nécessaires à la fabrication et à la distribution des produits. Fonction des approvisionnements, il présente deux aspects essentiels, la gestion des achats et la gestion des stocks. La fonction des ressources humaines, c'est la fonction, cette fonction consiste à définir une politique de l'emploi, une gestion du personnel de l'organisation. La tenue de la comptabilité au niveau de l'entreprise est effectuée par des personnes appelées comptables qui sont aidées dans leurs tâches par des employés subordonnés appelés aides-comptables et une secrétaire appelée secrétaire comptable. L'ensemble de ce personnel est encadré par une personne souvent expérimentée appelée chef comptable qui travaille à son tour sous les ordres du directeur financier de l'entreprise. Il y a les intervenants externes, la tenue de la comptabilité assurée par les fiduciaires qui sont des cabinets de comptabilité qui traitent les différents dossiers présentés par les entreprises dans le domaine fiscal et juridique. On peut schématiser l'environnement du fiduciaire comme suit. Fiduciaire, il a des relations, c'est un cabinet qui a des relations avec les clients, ce sont les entreprises, ce sont des personnes physiques. Il y a la direction des impôts, la relation avec la chambre de commerce et le tribunal de commerce, c'est l'environnement de la fiduciaire et l'environnement spécifique ou bien micro-environnement du fiduciaire. Les fiduciaires sont gérés par des comptables et des comptables agréés ayant des connaissances en comptabilité, fiscalité et droit des sociétés. Dans les grandes entreprises qui exigent une meilleure transparence de leur gestion et un conseil en matière de prise de décision, on fait recours à un expert en la matière appelé expert comptable. Ce dernier, souvent externe à l'entreprise et travaille dans le cadre d'une profession libérale, a pour mission la révision de la comptabilité des entreprises, l'organisation de la comptabilité et l'établissement des comptes annuels à la fin de chaque période, le conseil, les dirigeants et leur assistance dans la prise de décision. En effet, le DAHER du numéro 1-82-139 du 8 juin 1993, en promulgation de la loi 15-89 réglementant la profession d'expert comptable, instituant un ordre des experts comptables défini dans son article 1er, l'expert comptable comme étant ce qui fait profession habituelle de réviser, d'apprécier et d'organiser la comptabilité des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. La plupart des experts comptables au Maroc exercent une mission d'ordre général, à savoir le commissariat aux comptes. Ainsi, on parle de commissaire aux comptes qui a pour mission la certification des comptes à travers la vérification de la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels.
l'information des associés, le comité de direction et de dirigeants de toutes les irrégularités constatées au cours de sa mission, le déclenchement d'une procédure d'alerte dans le cas de constatation d'effets pouvant compromettre la poursuite normale de l'activité de l'entreprise, jouer le rôle d'un commissaire aux apports dans le cas des apports en nature réalisés par les associés lors de la constitution de l'entreprise ou de l'augmentation de son capital dont la valeur de l'apport dépasse 10 millions de dirhams ou la moitié du capital social, préparer le rapport qui informe l'essentiel de l'ordre du jouet, de l'ordre du jour, de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire. Au Maroc, on note l'existence d'une institution réunissant les experts comptables et les commissaires aux comptes, appelés l'ordre des experts comptables qui veillent en particulier sur la réglementation de la profession comptable. Ce sont les principaux agents qui ont des relations avec, ce sont les intervenants externes de comptables. Conclusion, même en s'inspirant en grande partie des textes français, la réglementation comptable marocaine doit évoluer et s'harmoniser avec les normes internationales, notamment les normes effets international financier reporting standard. Merci de votre attention. On va entamer un autre chapitre intitulé le bilan et le CFR.